Ok. Je me suis juste quelque chose. Ok. Alors, chapitre 3, une rencontre fatidique. En descendant dans l'atmosphère, le Kajik et l'équipage du Mantis se retrouvent mêlés à une escarmouche entre les forces impériales et les résistants. Cole pensait que le chef des Wookiees, Tarful, se trouverait peut-être parmi eux. Il quitta le vaisseau et prit le contrôle TVTT qui dirigea vers So Guerra, un célèbre insurgé. So et ses hommes étaient en pleine campagne de libération d'une raffinerie de sève de Warshire, Tayful, y étant peut-être détenu avec d'autres Wookiees. Cole et BD1 acceptèrent de aider So. Et bah parfait. Ça résume finalement. Hein. Ravi que tout aille bien. Ouais, ouais, content de te voir aussi. C'est un vrai dépotoir, cet endroit. Ton plan a marché. Et maintenant, tu veux suivre So? Quoi, ça vous plaît pas? J'ai comme l'impression que tu passes d'un danger à un autre. Hein, quoi? Je débarque mon vaisseau en plein champ de bataille, et maintenant on parle de danger. Pourquoi ne pas m'en empêcher? Mon rôle est de te guider sur ta voie, pas de la choisir pour toi. Alors voilà ce que je pense. L'Empire a envahi des centaines de planètes. So n'a pas choisi Kashyyyk au hasard. Nous n'avons peut-être pas les mêmes objectifs. Il faut rester prudent. D'accord, je m'en souviendrai. Ok. 50% déjà exploré, il y a deux coffres à trouver, donc sûrement en... pas loin, on va fouiller un peu. Toi, tu peux t'amuser avec ça. Ah non, je peux pas utiliser la force. On s'est perdu dans les bois. Mais c'était sûr en fait! Mais c'était sûr! Par ici, il y a peut-être des réserves dans ce marcheur. Après ça va, normalement, t'as du doliprane, non? Mais rien de vraiment grave. Et nous va à droite pour voir si tu vois un hibou, c'est que t'es sur la mauvaise voie. C'est tout ce que je peux te dire. Tiens, il est là, il y a un coffre. Ne me demandez pas comment est-ce qu'il est arrivé là. T'as trouvé quelque chose, BD1? Un nouveau matériau de poncho obtenu, forêt tropicale. Je suis mexicain. Et bah le pocho. Pocho de la moitié. Est-ce qu'il pourrait y avoir un deuxième coffre par ici? J'ai pas l'impression. Hein. Il est là. Là. Ah. Ah. BD quoi? BD1, t'es parti. Ah, t'es là. Ne trompe pas, merci. Il n'y a pas de hibou. Moi, c'est bon, c'est que t'es sur la bonne voie, mec. T'as plus qu'à continuer tout droit et normalement, tu vas arriver. Nouvelle apparence pour BD1 obtenu. Oh, ici, il est ouvert. Aube Sundari. Ok, on s'est encore plus perdu. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je te jure, Woodlock, que ça va aller. Hop. On va avancer. Si ce plan tourne au vinaigre, on est fichu. C'est encore pire ici que sur Zepho. On s'en sortira. Droïde Kong. Les droïdes d'alimentation EG6 ou Droïde Kong servent de générateur portable lors des opérations mobiles ou en cas de défaillance du système d'alimentation principal. Ils sont aussi bien utilisés par les armées que par les civils. Émettant un son discret, ils provoquent le mot Gonk. Gonk. J'ai énormément de respect, mais ce n'est pas une simple escarmouche. J'espère qu'on est prêt. Bah allez, allons-y. Des snipers. Cache d'armes. Ces lance-flammes impériaux spécialisés ont été modifiés pour être plus efficaces contre la faune et la flore kajik.
Et là, j'ai pas du tout d'accès. Pourquoi il y a un loup devant vous? C'est, je crois qu'il vient pour le Mère Grand. Mais t'inquiète pas, normalement, il n'y a pas de problème. Tu devrais trouver le petit chaperon rouge pas loin, normalement. Il y a aussi le petit chaperon vert. On m'a dit qu'il traînait des fois un peu à cette heure-là. Non, on m'a dit du Liprane. Ok. Il y a peut-être des pièces de rechange par là. Non. Ok, en fait, c'est un raccourci. Raccourci. Ah non. Ah voilà, je peux juste genre rien faire. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau par là? Tu en es où niveau puissance électrique? Ah, mais non, c'est pas possible. Ah, mais c'était son frère, fais attention parce que son frère, il était pas content. Tout court-circuiter. Mais c'est peut-être ouais, celui que je pense. Alors là, je sais pas trop ce qu'il lui a fait. Il lui a fait des choses. Surcharge. Quoi? J'ai pas le temps de lire. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors là, il me notifie qu'il y a des choses, je sais pas quoi. Je cligne juste, genre pour être sûr. Ok. Personnage, mais là, je vais débloquer surcharge, j'ai pas le temps de lire. Voilà. All card capsule. Surcharge. À utiliser lorsque BD1 est relié à des panneaux électriques spéciaux. BD1 peut surcharger certaines machines pour activer ou les désactiver. Ok. Donc sûrement en fait ce qui est à côté. Eh oui, c'est ça. Une falaise de 20 mètres. Moi j'y tout va bien. Continue, continue, continue. Normalement. En arrondissant à une heure, dans deux heures t'es arrivé. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. Je suis répugné. C'est les araignées de la forêt. Ah elle me dégoûte. Ah là 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 là. Donne-moi un steam. Mais ma soeur, mon frère. Maintenant. Toi, mais je vais te déglinguer. Oh. Eh merde. Quelle horreur! Salope! Ah, me dégoûte! Oui, choc! Elles sont dégueulasses! Attaquer par derrière lorsque la créature est distraite par d'autres proies. Parer sur attaque plongeante pour éliminer rapidement. Les Wii Shocks sont des prédatrices dotées de plusieurs pattes et de grandes intelligences. Très agressives envers les autres espèces, elles projettent une enzyme adhésive qui piège leur proie dans une gangue semblable à une toile, leur permettant d'attaquer avec leurs crocs acérés venimeux. Pulvériser leurs ennemis, elles descendent rapidement de la canopée ou sortent de leur terrier souterrain pour surprendre. Évitez leur toile, mais si vous êtes prise au piège, débattez-vous pour en sortir avant que le Wushik ne s'approche. Leur agressivité peut vous conférer un avantage stratégique et vous permettre de les attaquer par derrière. Capables de se déplacer rapidement, elles sont parfois vulnérables aux attaques à la tête ou aux membres. Ouais, il y a le vice en tank. Le vice en tank sauvage vient d'apparaître. Oh mon dieu. Comment va le vice en tank?
Surcharge. Alors, je suis pas sûr. Normalement, du coup, on a accédé à la zone. J'ai même pas vu sur le coup. Vincent, tu recommences à faire ton auto-promo, je te banne. C'est débile. J'ai pas d'accès. J'ai besoin de ton aide là. Je réfléchis. On a mis une tyrolienne, mais j'ai pas l'accès. En fait, c'est pour ça. Ou alors, c'est peut-être pour le double saut quand je l'aurai. Parce que je pense qu'on va pas tarder à le débloquer, vu que sur Katomir, on était bloqué à cause de ça. Ouais, là, ça passe pas du tout. On parle de déplacer de long en large et de large en long. Ah, ou alors c'est Ah, non, parce que là, en fait, je peux pas revenir non plus. D'accord. Tu peux faire quelque chose, BD ? Mais à mon avis, là... Est-ce que je peux pas m'agripper ? Je peux rien faire. À mon avis, il y aura quelque chose à faire là-bas. À un moment donné... Alors, je vais juste aller ouvrir le raccourci qui était là-bas, si je peux. Ouais, normalement, je peux revenir. Ah, je ne peux pas revenir. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Moi, je lui ai déjà dit droite, mais apparemment, il s'est encore plus perdu. Moi, je dis, il fait pas d'effort. Belle technique. Point de compétence obtenu. Non! What the fuck, this shit! Ok. Tout droit. Mais il fait déjà du tout droit depuis tout à l'heure. Je vous quitte. Bonsoir. Pour une lune de miel. Oh, le wiki, il est tellement mal modélisé. Fabriquer un puissant composant et la production se fait de plus en plus vite. On doit les en empêcher. Oui, c'est le plan. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. Exactement. Je refuse qu'on fasse de la promo pour une autre chaîne ici. Les coupeuses vont nous servir à faire diversion pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les coupeuses. Espèce d'hérétique. Leur aide sera précieuse pour ça. Allez brûler. C'est compris. Fais attention à toi. T'as entendu ça? Il a besoin de mon aide. Allez, BD. Libérer les Wookiees. Ok.
Attends, on a combien au niveau de la fouille là? Ah d'accord, donc c'est une nouvelle zone. 75% et un secret. Mais à un moment donné, c'était le secret qui était là. Hein. Le problème, c'est qu'il aurait fallu que je revienne en arrière, sauf que je ne pouvais pas revenir en arrière. Et ça, ça me paraît bizarre quand même. Parce qu'en gros, avec le panneau, j'aurais pu ouvrir la porte. Mais en fait, ça sera sûrement quand on reviendra du coup. Et là, on est seulement à... Ah, on est déjà à 75. Et un secret. Ouais, donc c'est ça. Et là, du coup, 6. Ah ouais. Grosse zone, du coup, qui nous attend. On a 2 points de compétence. C'est pas trop mal tout ça. Un double F. Ouais, allez, vas-y, comme ça, ça peut être sympa ça. J'ai hâte de pouvoir débloquer encore d'autres choses parce que là, on va vite être limité. Et puis, mets ça aussi. Est-ce que je peux? Mais ça, je peux toujours pas le débloquer. Comment ça se fait? Pas ça non plus. Ok. Ah non, attends, ça m'a utilisé 2 points. Ah, est-ce que... Attends, j'en avais 2, non? On est d'accord. Ah oui, 2 points de compétence. Ah, mais c'est pour ça. Jusque là, les trucs coûtaient 1. Et je commence à en avoir certaines avec 2. Un exercice. Tu crois qu'il faut le signaler? Ce serait contraire. Non, c'est pareil. J'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je tire. Je tire. Ils sont quand même pas tous morts. Oh là là, le débile. Ça va aller. Endors-toi. Tout va bien se passer. C'était à des guerriers Wookie. Ils devaient certainement se cacher ici pendant leur bataille contre l'Empire. Wookie en planque. Un casque Wookie abandonné dans une planque utilisée par leurs guerriers. Stylé. Est-ce qu'avec ça, je peux accéder à des zones? Non. Pas plus, par exemple, il y a un coffre derrière que j'aurais pu louper. Non. Oui. Si, il arrive. Merci, BDR. T'as trouvé quelque chose, BD1? Passion et puissance, nouvel émetteur obtenu, stylé. Ah. Il n'y a plus de droïde. Je l'ai satellisé. Ok, concentration maximum, hein. MDR, pourquoi on peut avoir la photo de la femme Vincent? Est-ce que t'es sûr que tu vas pouvoir l'avoir? Parce qu'à mon avis, vu le prix... Comment est-ce que tu vas, Traju? Comment va-t-il? Ça fait plaisir de te revoir. Hein. Oh, alors là, il y a des choses à faire. Et là, je suppose que je peux ouvrir, c'est tout rouge.
Ah si. T'as raccourci. Oh, encore ça. Ah non. Eh ben écoute, attends. Ouais. Oh la vache. Eh bah écoute, il va bien. Non, il y a Vincent Tank aussi, mais là il parle plus. Il est vexé. Donne-moi un steam. Purge Trooper, un bâton statique, capable de contre-attaquer après avoir subi une parade, restez vigilant, abaisse brièvement sa garde à la fin d'un combo. Chasseur au service de l'Inquisiteur Rus Impérial, le Purge Trooper traque les survivants du perfide Ordre Jedi. Opérant dans l'ombre, il ratisse la galaxie pour aider les Inquisiteurs dans leur sinistre mission. Cette unité spécialisée a développé une grande maîtrise du bâton statique et constitue un adversaire mortel pour tout ennemi armé d'un sabre laser. Leur agité et leur soif de vengeance se manifestent dans leur contre-attaque mortelle et leur déplacement. Il faut que tu fasses sortir les Wookiees de là. Ne t'arrête pas, Jedi. C'est ouvert. Ah ouais, bah écoute, je comprends. Pas de problème, Trajou. Au moins, ça fait toujours plaisir de te voir passer. Mais pas de problème, je comprends. Puis bah écoute, n'hésite pas à repasser quand tu pourras. Quand Alessio sera sorti des bois, tu pourras voir ton frère. Bah là actuellement je crois qu'il est en train de mourir. Ça passe juste, un BD. Je crois. Bah t'inquiète. Hein. Par contre il y avait un autre truc derrière en fait que j'ai loupé. Est-ce que je peux retourner en arrière vite fait? Il y avait un truc que je voulais fouiller que j'ai pas fait parce que j'ai eu un doute dans le sens dans lequel il fallait faire les choses. Et finalement, j'ai trop douté. Ah, mais non, d'accord, c'est une save. Bah écoute, vas-y, save. Ah ouais, mais il va réparer l'autre. Bah au moins, j'ai save. Ce qui est déjà pas mal. Allez hop, on y retourne. Par contre, je comprends pas ce qu'il me dit que c'était un raccourci, ça, mais je vois pas dans quel sens c'était un raccourci. Tout ne me paraît pas logique. D'accord. Et ça, c'est considéré comme étant la zone. Ah non. C'est la même. Ah, mais là, il y avait un. Je suis parti par là, mais en fait il y avait quelque chose ici. Ah, il part, mais il reviendra. Incroyable. Eh ben écoute, j'ai hâte de te revoir. Puis bonne chance à toi. Yep. Bon courage. Et puis, il reviendra. Flame Trooper, trouvez des moyens de surprendre ce soldat. Le fusil dans Flamme de refroidir après l'utilisation. Profitez-en pour vous rapprocher et frapper. Les Flame Trooper est un commando spécialisé soutenant la machine de guerre de l'Empire Galactique. Expert en utilisation d'armes incendiaires, il dispose d'un fusil dans Flamme et une portée relativement faible de 10 mètres, mais couvrant une large zone. Il compense son agilité limitée en réduisant sa mobilité de ses cibles en les empêchant de bouger. Bien que mortel, son fusil dans Flamme utilise un carburant combustible qui met du temps à refroidir. D'accord. Stylé. Alors là, il y a l'air d'avoir quelque chose.
Et là, il y a quoi là? Une bobatte. Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Nos matériaux pour sabre laser obtenus, mat. Et il y a encore une bobatte. Fallait le voir, mais c'était bien sombre. Bien caché. Nouvelle apparence pour BD obtenue, Stigen Prime. Oh, j'aime bien le noir comme ça, mat. Disponible. Alors là, normalement, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Alors, attendez. Ah non, d'accord, ok, là. T'es sûr que tu veux vraiment te brancher là-dessus? Ouah! Okay. Ouah! Il est parti, hein? Il est parti forêt. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, il doit être vexé. VC. Tu m'as pas déban. Si normalement t'étais ban une seconde. Je t'ai mis clic sur le 10. Si t'as pas été déban. Un raccourci. Ce qui est probable. Tu voulais déplacer ça. Tout est logique. T'avais aucune idée que c'était là, pas vrai? Tu voulais juste activer la découpeuse. Il voulait se faire plaisir. Ok. On va vite se soigner. Bah, je pensais juste que t'étais parti ou que t'étais vexé. C'est ce que je dis à Trajou. Bon, attention, il a dit qu'il reviendra. Il m'énerve! Mais! Oh là 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 là! Le bordel! Ouais, ouais, ouais! Faites attention, hein! On n'a pas vérifié le lien, hein. Ça se trouve, c'est un lien YouTube vers ta chaîne Twitch. Ça me paraîtrait bien logique. Non, en vrai, je rigole, vous pouvez faire votre promo, ça ne mange pas. C'est juste pour la blague que je voulais bloquer, mais je crois en fait qu'il n'y avait plus personne à ce moment-là. Ah! Mais ma soeur, mon frère! Oh là là! Oh le dawa, ils sont... Mais c'est évidemment, c'est que sur moi que ça y est. Ils sont tous focus sur moi. C'est... Ah, ça y est. Concentration extrême. En fait, Vincent, tu sais pourquoi est-ce que je galère autant sur mon jeu? Au-delà du fait que je suis mauvais. Je parle bien. Et bah parce qu'en fait j'ai oublié que c'est en faisant en fait les... En regardant les rediffs et en montant la vidéo que je me suis rappelé en fait que j'avais mis le jeu en difficulté maître. Parce que du coup souvent dans ce genre de jeu là, quand ils sont en difficulté normale, c'est souvent trop facile. Tu roules sur le game et je m'étais dit, oh, on va tenter une difficulté maître pour voir. Sauf que j'ai oublié que j'ai mis une difficulté maître.
Et du coup, c'est pour ça en fait, je suis dans la discuter juste au-dessus en fait. Reviens là. T'as discuté maître et après t'es encore en discuter encore au-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Et c'est pour ça en fait que je galère autant. Nouveau matériau pour sabre laser obtenu, donium. Et non donuts. Et c'est pour ça. C'est pour cela que c'est aussi galère. Mais du coup, c'est intéressant. Bon, je me fais pas mal bolos quand même, c'est bien compliqué. Mais je trouve que du coup, finalement, bah, ça rend le jeu un peu moins facile que prévu. Même si je suis vraiment une grosse victime. À un certain moment, je suis en mode, mes frères, arrêtez. Que dalle. Ah, mais il y a un truc là. Attends. Moi, je suis censé aller où là, non, citoyen? Ah, ok, ça mène à de l'autre côté. Alors, si ça, ça mène à de l'autre côté, par là, il y a quoi? Oui, exactement. Je suis une andouille. Miaou. Hein? Ah, il scanne quelque chose. C'est des grosses bobines rouges, c'est des barils de sève. J'ai l'air d'extincteur, mais non. Un baril de sève de Warshi raffiné. Le processus de raffinage extrait les impuretés pour distiller un composé chimique volatile. Ce dernier est utilisé de façon mystérieuse par l'Empire. Pour chaque baril de sève raffiné, plus de 200 tonnes de déchets industriels sont déversés dans les cours d'eau, empoisonnant ainsi lentement la planète. Oh, la pollution. Aucun signe de l'ennemi ? J'en sais rien, j'ai parlé au capitaine. Ils arrivent. Oh, c'est bon, on y est. Au moins, on a l'avantage. C'était quoi ça? Une autre découpeuse piratée. Découpeuse active près des cellules. Demande d'intervention immédiate. Oh non, il est en train de tout détruire. Oh! Battez-vous, d'une heure, bande de lâche! Mais c'est la suite. Bah, je suis perdu entre suite et secondaire, mon gars. Je me dis, bah on va aller là, c'est peut-être le secondaire. Finalement, le secondaire était peut-être à côté. Attends, ah bah oui, ouais. Par rapport à l'objectif principal. Non! Wouh! J'ai failli mourir. Allez, on a trouvé un monsieur gentil, pas comme toi, qui a au moins nous a donné. Nous a au moins nous a indiqué la bonne direction. MDR. Écoutez, moi je fais ce que je peux. D'accord, mon personnage n'a pas voulu. Je crois qu'on peut pas retourner en arrière. C'est pas embêtant tout ça. Attends, j'ai envie de retenter. J'ai l'impression que je ne pourrais pas. J'ai le seum. Non. C'est impossible. On est bloqué. Bon bah du coup il faudra qu'on refouille par là. J'ai trop le seum. Oui. Oui, pour l'instant. On est presque à la prison. Parfait. Des signaux de détresse impériaux parcourent toute la planète. Si tu ne libères pas vite les prisonniers... Ça va marcher, je vous le promets. Mais oui, ça va marcher. Je suis trop fort. Je suis un Jedi. La porte est verrouillée de l'autre côté. Bah, il faut la déverrouiller du coup. Alors. Là. La messie. Hein. Le Jedi ne va pas tarder. Et en ce qui concerne nos renforts, il va en retraite. Parfait. Ennemi localisé. Oh, c'est un nouveau. Non, c'est pas un nouveau, c'est celui qu'on connaissait déjà. Attends, parce que eux ils vont m'emmerder. Voilà. On t'éliminera. Il était insignifiant. Point de compétence obtenu. Oui, enfin seul, je vais pouvoir te démonter ta maman. Oh la vache, et eux ils sont costauds. Hein. L'Empire me rend plus fort. L'Empire te rend plus fort. Me délecter de ta mort. Vite!
Ok. Mais surtout, hein, n'utilise pas la force. Surtout quand je te le demande. Merci. Allez, la petite exécution qui fait plaisir. On a trouvé Menor grâce à Mibou au moins. J'adore la façon dont tu parles, Trajou. Alessio. C'est, je commence à fatiguer, Alessio, Trajou, Vincent. Besoin de courant. Rien ne va. Mais tout va bien. Je vais te satelliser. Ah, c'est ce que j'ai failli faire là. Raccourci débloqué. Raccourci vers où? Vers la femme de Vincent peut-être? Pas de garde. Hey. On vient pour vous libérer. Vous n'êtes pas seul. Tu es assis, R nous marche depuis 824 heures, c'est toi le cas ticket. Oui. Où allez? T'as un nouveau boss. Il m'a giflé. Vous ne pouvez pas fuir. Tu veux qu'on essaye pour moi? Oh là, 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 oh la vache. Oh. Allez. Bam. Droïde de sécurité vaincu. T'es fumé, Steve de Lip, c'est mieux. T'es mi, t'es miex. Je lis littéralement ce que écrit Alessio. C'est marrant de lire littéralement ce qui est écrit. Ça donne des trucs vraiment incroyables. Mais let's go, s'il fait du dolip, hein. fait péter. De stature imposante et facile à anticiper, il est hautement vulnérable aux parades. Système obsolète, vulnérable au piratage d'un droïde plus récent. Les droïdes de sécurité impériaux, également appelés droïdes de CKX, sont fréquemment employés par l'Empire Galactique. Redoutables et spécialisés en combat rapproché, ces droïdes associent une force brute et une grande résistance pour capturer et neutraliser leurs cibles. Ils sont équipés d'un relais de communication, de brouilleurs et de programmes stratégiques. SUQCHDF. Ça, je crois que c'est le nom d'une nouvelle drogue. C'était moi une. Peut-être la nouvelle drogue qui fume. Ah non, je peux pas revenir en arrière. Tragédie. Il y a une jourgette dans mon ton salon. Oui, des jourgettes, ça va aller. T'inquiète pas, Alessio. Il y a pas de quoi. Qui a envie de casser de l'impérial? Parle les Wookiees, ils sont dégueulasses, hein. Jedi. On dirait qu'ils ont de la paille. Attendez, j'ai pas fouillé ce qu'il y avait derrière. Mais c'est une blague, je loupe tout. Non, c'est bon. Et quoi par là? Ah, c'est un raccourci. Ah. Aïe. Maïa. Maïa. Maya. Alors, ça, c'est le fameux truc que j'ai oublié de fouiller. Hein. Ah non. Oh, what the fuck. C'est encore un autre truc, une autre zone. Et des jarottes. C'est quoi ça? Ça va aller, monsieur. Par ici. Mais qu'est-ce que c'est? Maintenant, il y a des limaces qui me volent maman. Attends, je ferme la porte.
Bon, je te vlefse. Allez, Sue. Oui, tout à fait. Oh, ok. Quelque chose d'utile ? Nommer l'interrupteur de sabre laser obtenu, passion et puissance. Un sigle. Un slig. Ah, oh, c'est marrant comme bestiole. Une grosse limace avec une tête de bouc. Ces attaques sont lentes, esquivez-les ou fuyez. Évitez les sécrétations toxiques. Les sligs sont des gastéropodes imposants et carnivores. Même si on peut les trouver dans les zones, dans les environnements tempérés, ils préfèrent les zones froides et humides et prospères dans les forêts denses. Les petites étendues d'eau, les caves, les crevasses. Ils émettent des sécrétations toxiques et gluantes à éviter. Et il y avait une autre bestiole. Mais elle a des pop. J'ai pas le temps de les scanner. Il y a la femme avançant qui gratte. À la porte. Alors, ça m'inquiéterait si c'était la femme de Vincent qui avait gratté à la porte. Mais elle a pas besoin de gratter. Ok. Pardon, excuse-moi. Je voulais pas vous interrompre. Oh non, mais t'es sérieux? Non, mais alors, par contre, les points de spawn, quand ils sont éloignés comme ça, ça fout la haine. Hein. Là, t'es en mode, les mecs faisaient un effort. Un peu. Je crois que j'ai vu du mouvement. Non, t'as rien vu du tout, t'es juste fou. Ah, oh, mais il va falloir se taper tous les ennemis, mais ta maman la chauve. Casse les noisettes. Est-ce que t'es toujours là? Il y avait un truc par là, mais je sais pas ce que c'était. Du coup, c'est juste ça en fait le truc. Ah non, il y a un autre truc là par là. Oh, c'est grand. Où est-ce que tu m'emmènes là? Ça va comme tu veux. Bon, super. Il passe qu'un des bestioles. Très bien. Il y a beaucoup de choses, hein, parce que là, ça m'emmène encore ailleurs. Ouais, bah vas-y, hein, me fouiller. Non, le dernier chat est parti. D'accord. Est-ce que c'est l'accès aux terres d'ombre? Il y a sûrement un passage. T'as raison, la forêt est beaucoup trop vaste. Retournons voir Sceau. Ah. Donc à mon avis, peut-être une nouvelle compétence. Parce que c'est vrai qu'on a le pouvoir de pouvoir pousser, mais de toute façon on pourra peut-être tirer aussi des objets. J'y ai pensé, en plus du double saut. Parce que là, effectivement, là, je ne peux rien faire. D'accord. On a trouvé le chemin. Ah bah, nickel, ça. Oh. Secret découvert. Expansion de la raffinerie, tandis que l'Empire étend son influence sur Kajik, qu'il s'intéresse de plus en plus aux terres d'ombre. Alors, je peux retourner aussi ici, j'aimerais bien. Je fais comme si j'avais rien vu. Hein. Non, foutez-moi la paix! Mais!
J'ai compris, hein. Ça m'énerve, hein. Il m'emmerde profondément dans ce jeu. J'ai besoin d'aide. À faire repop H24 les ennemis comme ça, c'est vraiment chiant. Voilà. Grâce à un mouton chauve. Bah stylé. Un mouton chauve. C'est-à-dire qu'en fait on l'avait tondu avant, non? Ou genre juste il a jamais eu de laine. Après au moins s'il déjà il a bonne haleine, c'est déjà une bonne chose, j'ai envie de dire. Alors attends, là on a dit 62. Ah mais on est quand même manqué des choses. Bah de toute façon c'est là-bas en fait. Et là, ok. On va regarder. Carrément la cave ici. Alors, chaud pour un mouton, hein. Là, ça arrive, hein. Une fois sur 32, je crois que ça peut arriver. Ils sont très peu, hein, dans le monde. Ils sont même rares. Apparemment, ils valent cher, ces moutons-là. 2 sur 3 de force obtenue, ok. Ah merde. Oh non, va y avoir un fucking boss. C'est sûr mon pote. Les centres de repères ont été déployés de façon à repousser les attaques de la faune sauvage. Ils sont doués sur une résistance plus forte que prévu. Il va y avoir une grosse bestiole. Comme ma bite. Oh, d'accord. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Commando. Ok. Ouais. Albinos. Elle est dégueulasse. Ça me répugne. Elle... Oh non, mais le dieu qui m'a mis. Ouah, ma soeur. Il n'y a pas d'abus dans ce que tu fais. Il n'y a pas d'abus. Mais quoi? J'ai esquivé à la tournée. Je me fais bouillave. Donne-moi un skim. Mes sœurs. Je suis mort, hein. En fait, elle tourne. Ah, elle est horrible. Ah, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. C'est horrible. C'est... Elles sont horribles. Elle est vraiment, vraiment, vraiment horrible. Oh, elle est horrible. D'accord. Pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Non? Ok. Va au McDo. Moi, ta mère, j'ai eu trop peur. Oh, je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais pas à l'avoir arrivé par là. Je pensais qu'elle arrivait d'en face comme tout à l'heure. Elle m'a fait trop peur. Mmh.
Médéa. Elle m'énerve, hein. Elle va m'avoir encore, hein. Médéa, Steam. Salope. Ah, t'es dégueulasse. Ignoble. On y va au McDo. T'as trouvé quoi ? Mais votre McDo, je vais le mettre là où je pense. Moi, je préfère Burger King, personnellement. La bataille de Kajik. Les vestiges des droïdes de combat B1 qui ont servi sur Kajik pour des comptes des séparatistes au cours de la guerre des clones. Les séparatistes ont perdu cette bataille. La République est devenue l'Empire et la guerre des clones s'est terminée de bien triste façon. D'accord. Wishock Albinos, elle est horrible. Vulnérables attaques dans le dos, les morsures peuvent être bloquées. Rodant dans les profondeurs souterraines, l'infable Wishock Albinos est une créature rare et sournoise, se nourrissant du cerveau de ses proies depuis des siècles. Cette horrible cracheuse de venin est bien plus agressive que la Wishock classique. Incroyablement intelligente et rapide, son attaque plongeante est également plus vicieuse et dangereuse. Elle me dégoûte, j'en ai des frissons partout dans mon corps, c'est horrible. Ah, elle a pondu des œufs, mon frère. Viens, on les déglingue. Œuf de Wishock. Une Wishock peut pondre jusqu'à 1000 œufs par an. En combinant sa toile de salive et de sécrétation provenant des ganglions lymphatiques sous chaque patte, elle crée des œufs incroyablement résistants aux prédateurs. Lorsque jeune Wishock arrive à maturité, elle peut mettre jusqu'à 5 jours pour ouvrir l'œuf et en sortir. Affamée et prête à mourir sur n'importe quelle proie. Nickel, ça me dégoûte. Qui veut 49 grammes de Dolip pour le sniffer en famille? Moi. Enfin, moi, je vais le sniffer avec mon chat. Ah, mais d'accord, on est arrivé là. Je t'ai trouvé, intrus. Manque un secret et un coffre. Alors après, est-ce que... Attends. Aïe. Après, de toute façon, il reste ça que j'ai pas encore fouillé. Là-bas, il y a encore un truc. Bon. En globalité globale... je trouve qu'on a plutôt bien fait les choses. Dans un instant, un jour, nous étions trois. Ouais. C'est débile parce que du coup, il y a tout qui se refait. Oh, il m'a attendu. Non, ça passe pas. Merci. Merci à ce rouquin de me permettre ce genre de choses là. Ah d'accord, je pouvais pas grimper, je pense. Non mais c'est vraiment pété, jusqu'à la moelle. Tu te dis, c'est pas possible, il peut pas tomber dans ce genre de trou là. Si, il le fait. Il y arrive, il le fait. Fait péter un câble, ce jeu. Un monsieur très bien, mon fiancé et moi. C'est plus des Dolip en fait là que tu prends Alessio. On est au-delà de ça en fait. Non ! Mais enfoiré ! Eh
Le Jedi. Comment on est censé le toucher? Bah tu me touches pas. T'approches pas de moi là. Jedi, en formation. Ok, c'est pas le moment de flancher. Dans l'ascenseur, un jour nous étions trois. Un monsieur très bien, mon fiancé et moi. Ouais, vas-y. Continue. Parce que là, je trouve que ça part plutôt bien. On a deux compétences. Calme son excitation. Hop. Ça dégage. Con, hein. Bon là du coup j'ai pas accès pour l'instant. Donc ici on devait continuer. Porte verrouillée de l'autre côté, très bien. Il y a une fougère. Alors. J'ai l'impression qu'on peut revenir en arrière, mais j'ai un doute de ce que je vais faire là. On est d'accord que... Non, non, il est juste demeuré mon personnage. Mais quoi? Mais je suis à distance requis, non? Attends, mais on est d'accord que ça, je peux l'attraper. Wouah, la vache. Eh, hey, toi, t'es pas rond pour rien, en fait, hein. T'es même un rond-point, en fait. Ah, il y a un secret. C'est un droïde de sécurité. Tu penses à ce que je pense? Dans un serveur, un jour, nous étions 3 à 1. Alors, piratage droïde de sécurité. Ok, donc à un moment donné, je peux ouvrir de nouvelles portes. Nous étions 3 à un monsieur très bien, mon fiancé et moi. Comme on était un peu trop serré, on a tout arrêté et on est monté à pied, ok. Jusque là, je vais hocher la tête et je vais dire que tout va bien. Le chat vient d'ouvrir la porte. J'ai envie de péter un câble, je vais satelliser le chat. De la rillette. Voilà ce qui est en mode, il va finir ce chat. En rillette. Entendu? Tu vas t'amener en rillette. Ouais, donc du coup la suite de l'histoire, Alessio. Moi je suis intrigué, je veux savoir la suite là. J'ai vu qu'il y avait une porte ouverte. J'ai voulu retourner en arrière, mon joueur l'a fait non. Méga raccourci, dites-moi. C'est des raccourcisception. Loin. Ah. Quand est-ce que je débloque le double saut? Là j'en ai marre. J'ai l'impression que c'est une grosse victime. Hop, c'est ta mère. C'est bon? On les fait reculer. Continuez. On y est prêts.
J'ai géré. Je demande le double saut. Ah ou pas? Il faut que tu l'électrocutes. Ouais, mais en tout cas, bien ça. Joué. Ah, mais attends, ça me dérange pas là. Ah, je peux pas en faire grand chose en fait, hein. Non. Ah, d'accord, en fait le timing de l'arrêt est un peu comment dire long. Là je peux rien faire. Non, bah juste l'ascenseur en fait, non. C'est ça. Quelque chose d'utile? Nouvelle poignée de sabre laser obtenue. Passion et puissance 2. Ça ne bouge pas. Et ça, c'est fermé. Ben nickel. J'apprécie ma vie finalement. Tu pensais que tout était continuité, puis en fait, non. Du coup là pour là en fait attends. Il faut que tu l'électrocutes. Besoin d'un steam. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah ouais. J'ai un personnage, y a pas à dire, il est intelligent. Ah ouais, mais en fait il faut vraiment que je sois pile précis. C'est... Non bah non bah non bah du coup là non. Mais... il me rend ouf. Non bah là c'est trop... court. Ah ou alors. Oh merde, j'appuie deux fois. Ou alors. Je viens de voir, je viens de capter un truc en fait, c'est crade depuis tout à l'heure. Respirez. Restez calme. J'en ai marre. Repli dans la prison. Il a beau être un Jedi, c'est un beau glandu quand même. Hein. Ah mais attends, est-ce que du coup là je peux pas accéder à ce qu'il y a là-bas? Non, on va attendre que ce soit un peu plus droit. Envoie par ici. Non, pas du tout. Pas du tout moyen d'y arriver à ce truc-là. Je sais pas comment est-ce que tu fais. Double saut. J'en peux plus. Je veux ce purée de double saut. Cellule de raffinerie. Cette raffinerie a été conçue avant tout pour l'exploitation, sans égard pour le confort ou la sécurité des prisonniers. Les ouvriers ou qui sont attachés pour la plus grande promiscuité. Couvert de boue et dedans, je reproduis chimique. Super. Pau bête. Vers la prison. On a besoin des Wookiees pour en finir. Plus vite. Ils ont appelé des renforts. Allez, allez, allez. La porte est bloquée.
rien à faire, on est coincé. Il faut les faire sortir de là. On a besoin des Wookiees pour gagner. J'ai repéré un ennemi. Stormtrooper à terre. Dégâts subis. Piètre résistance. Piètre résistance. Mouvement brusque imprévu. Vous le regretterez. Mmh. Ah d'accord, je me suis emparé. Original. Libérer les Wookiees. Non, ok, j'ai cru juste que j'ai loupé un truc, mais non. Tout est bon. Montre la carte là. Ok, 80% exploré. C'est pas trop mal. Hein. Ah oui d'accord, on est revenu là. On va se remettre d'aplomb. Reposer, quitter. Voilà. Just. Non, je sais pas ce que ça mène, mais j'y vais. Oh là là, eux ils sont... Mais arrêtez! Mais stop! Pas nu, c'est pour s'ouvrir moi hein. Je me fais bolosser. Ok. Prépare-toi, BD. Jedi, on n'a pas assez de puissance pour percer sa coque. On s'en charge. Ah. Ouais, j'aime ma ville, hein. Aide-moi. Vite, aide-moi. Mais balance. Donne-moi un... C'est dingue, mais c'est dingue. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ok, moi je tente des choses en fait qui sont pas possibles avec la force, apparemment. Il m'en faut un. Ouais, bah surtout que si tu pouvais m'aider, ça m'aiderait quoi.
Enfin. Ces dernières années, nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille à cause de l'Empire. Nous avons connu l'enfer. Et cependant, ton visage aussi, hein. La foi demeure. Nos espoirs ne sont pas morts. Les Jedi sont encore à nos côtés. Les Jedi, on est tout seul, hein. Ils parlent de nous comme si on était plus vieux. Pas sûr qu'on a plusieurs en tête. Hein. Kashyyyk est toujours grande et forte pour la cause. Tu as vu ce que l'Empire a fait sur Kashyyyk. Il en va de même sur tout le reste de la galaxie. Mes partisans seraient ravis d'être aidés par un Jedi. Je suis flatté. Mais... on a déjà une mission importante à terminer. Désolé. Alors plus tard. Reviens me voir. Cal, je suis Mary Kosan. Et voici le commandant Choisik. Ils sont moches, les Wookiees. Je suis désolé, je ne comprends pas tout. Choisik dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour retrouver Tarful et lui parler de toi. Vous pensez qu'il est en vie? Aie confiance, Cal. On contactera ton vaisseau. Pour la cause.